BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Pour ce 15e épisode, nous allons parler de la transformation digitale dans le monde de la banque. Vous savez, c'est la banque figure parmi, avec les médias, avec la tech, parmi les secteurs les plus impactés dans ce domaine. Les clients que nous sommes tous, mais les clients entreprises aussi, sont devenus plus exigeants. Ils veulent des produits plus personnalisés. Le potentiel aussi est en train de naître autour de l'exploitation des données pour créer de nouveaux services. Et puis, on voit arriver de nouveaux acteurs, ces fameuses fintech dont on va parler aujourd'hui, qui forcent les banques à se transformer beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on se rend compte que 80% des clients mettent l'expérience client en priorité numéro une, même avant les produits et services vendus. Et ça, c'est le mobile qui est au cœur de ça. Et on est vraiment dans le règne du mobile au sein de cette expérience client. Et on voit, alors Sébastien Lacroix, je me réfère un peu à votre rapport McKinsey sur l'industrie bancaire. On voit que dans la banque, tous les métiers sont impactés. Là, on parlait un peu du consommateur final, mais on va revenir sur ce au niveau des entreprises. Mais voilà, tout le monde, soit back office, en front office, qu'on s'occupe de placements financiers, qu'on s'occupe d'assurance, voilà, tout le monde est impacté par ces mobiles, ces data aussi. On va en parler. Tous les métiers sont impactés. Alors tous pas de la même façon. On l'évoquait tout à l'heure, les paiements et probablement les métiers les plus aujourd'hui marqués par cette digitalisation ou cette désintermédiation. Mais c'est vrai que quand on va sur des métiers comme l'épargne où le conseil est encore au cœur de la relation avec le client. Dans le fond, ce qu'on crée, c'est une forme de conseiller augmenté grâce à la digitalisation ou aux technologies. Le conseiller est toujours là. On a besoin de ce rapport humain dans l'échange, notamment quand il s'agit de faire du conseil. Par contre, l'intelligence artificielle, l'usage de la donnée, vient améliorer l'expérience client, améliorer en fait ce que le conseiller peut dire et amener à son client. Tout à fait. La personnalisation est critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que client d'une banque, ce que vous voulez, c'est une offre personnalisée, un dialogue personnalisé avec votre banque, qu'elle soit faite avec des technologies d'augmentation comme l'intelligence artificielle ou des processus de personnalisation et d'automatisation. Ce qui est important pour moi, c'est que nos clients comme Orange Bank, Natixis, ils remettent le client au centre de leur stratégie et je dirais qu'ils remettent le conseil au centre de cette relation client. Et tout ce qui va pouvoir améliorer ce service de conseil pour les clients, c'est au cœur de tous ces enjeux technologiques. Le premier enjeu pour moi, c'est d'être extrêmement clair sur les clients que vous souhaitez servir et la nature du service que vous souhaitez leur apporter. Je pense que pendant très longtemps, et on a un modèle en France qui est très marqué de la banque universelle, qui sert de façon assez monolithique l'intégralité des clients. Et ce qu'on voit avec la personnalisation à outrance, d'une certaine manière, c'est que chaque client devient un cas unique à servir. Et donc, les banques doivent savoir et doivent penser à l'unicité et la typicité de ce client-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand vous pensez produit-service, vous devez réfléchir à comment on va personnaliser, même si derrière, un certain nombre de choses sont industrialisées. Mais vu du client, effectivement, ça doit pousser à beaucoup de personnalisation. Et pendant très longtemps, on était quand même dans une relation où on poussait des produits vers le client. Et on est aujourd'hui avec des clients qui ont des usages et des attentes extrêmement différentes, qui sont d'ailleurs prêts à ne pas aller voir autre chose que des banques. Ouais. C'est la désintermédiation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, en tant que banque, je dois m'assurer en fait, de créer une relation où on peut jouer sur la sécurité, on peut jouer sur la rassurance, mais une relation qui doit se matérialiser par des services très typé et très proche de ce que j'attends. Et vous avez un client qui peut avoir le même profil que vous et moi, mais qui voudra dans un cas avoir un accès à l'humain et dans d'autres voudra, comme vous le disiez tout à l'heure, pouvoir de façon autonome piloter son portefeuille financier. Non, c'est vraiment du service qui est très immatériel. Donc on génère énormément de data. Donc après, la question n'est pas d'être est-ce que nous sommes ou pas data. Oui, nous le sommes parce que nous générons beaucoup de données, mais est-ce que nous sommes vraiment data-centriques? C'est-à-dire est-ce que nous faisons la meilleure utilisation possible des data que nous générons au profit de nos clients? Et donc, effectivement, l'enjeu, il est bien là, d'utiliser cette data que nous générons, arriver à corréler les comportements des clients avec des mouvements de marché, des mouvements extérieurs, pour pouvoir proposer au bon moment la bonne solution personnalisée à nos clients. Mais il y a des enjeux technologiques, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux humains et de gestion du changement et d'enjeux culturels. Donc, il faut que l'ensemble des 21 000 collaborateurs de Natixis soient embarqués dans cette journée, pour parler anglais, du digital. L'automatisation, quand on la regarde, nous, on estime que ça va automatiser 43% des tâches aujourd'hui réalisées par les conseillers bancaires.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a peut-être quelques pourcentages de jobs qui vont disparaître sur la même période. Mais quand on regarde le solde net avec la création de nouveaux métiers, on est quand même un solde net positif. Donc la vraie question pour les entreprises, et ça a été mentionné, c'est plutôt la manière dont je fais évoluer le socle de compétences de mes collaborateurs, puisqu'on va aller vers beaucoup plus d'humains, beaucoup plus de relationnels. Et toutes les tâches à plus faible valeur ajoutée, comme la saisie manuelle qui était hier faite par des collaborateurs, sera demain automatisée. Donc c'est aussi, je pense, un mouvement extrêmement positif pour les collaborateurs s'il est bien pris par les banques. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde suit ce mouvement-là, mais voilà, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans non plus ces sociétés très agiles. Tout à fait. Olivier parlait de collaboration, d'agilité. Il faut le faire, bien sûr, au sein de nos murs. Donc, on développe des programmes au sein de Natixis de meilleure collaboration, d'agilité entre les métiers, la technologie, le digital. Mais c'est aussi la collaboration avec des partenaires extérieurs, comme sont les fintechs. Alors des fois, vous avez dit effectivement, BPCE était assez actif dans l'achat de fintechs. On a intégré notamment dans le domaine des paiements que j'évoquais tout à l'heure, des spécialistes comme Payplug ou Danelis pour enrichir notre offre vers les commerçants. Mais c'est aussi sans faire de rachat capitalistique, du travail en collaboration avec des fintechs pour intégrer leur innovation dans nos services. Ce qui est facile à dire, mais un peu plus compliqué à réaliser. On est dans un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiqué, où au centre, c'est la relation de confiance. Et c'est comment les établissements bancaires peuvent établir cette relation de confiance, peuvent la garder et peuvent bâtir autour de ça des parcours clients cohérents et personnalisés. Et être en avance par rapport à ses clients, c'est ça. Et être en avance par rapport à ses clients. J'imagine McKinsey, c'est le rôle que vous accordez aujourd'hui auprès de ces établissements. Et c'est très juste, parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'industrie bancaire, c'est l'une des trois plus digitalisées avec les high-tech et le média. Et pour autant, on se rend bien compte qu'on a le sentiment de courir après un train qui accélère, parce que les clients sont, par leur écosystème quotidien, exposé, que ce soit dans l'achat des biens de consommation, de voyages et autres. Et puis on s'habitue à la simplification aussi, enfin, on le disait tout à l'heure. Avec un élément de fond, en fait, qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les clients, en général, votre grand-mère, elle avait tendance à aller vers la même institution pour l'ensemble des produits. Si l'expérience est meilleure pour un produit donné, le client est prêt, en fait, à séparer son expérience. Et donc, l'enjeu pour la banque, c'est de garder de façon un peu holistique cette relation sur l'ensemble des produits. Et c'est vrai en France, puisqu'on a un modèle de banque universelle particulièrement unique. BFM Business, hors série, l'ère du client.